Bonjour, aujourd'hui je vous propose l'histoire de Pélagie. Pélagie la sorcière. Pélagie la sorcière vivait dans une maison noire au milieu de la forêt. La maison était noire à l'extérieur et noire à l'intérieur. Les tapis, noirs. Les chaises, noires. Le lit, noir. Les draps et les couvertures, noirs aussi. Et la baignoire, elle était de quelle couleur à votre avis? Oui, noire. Pélagie vivait dans la maison noire avec son chat Rodolphe. Il était noir lui aussi. Et c'est ainsi que les ennuis commencèrent. Quand Rodolphe était installé sur une chaise, les yeux ouverts, Pélagie le voyait. Du moins, elle voyait ses yeux. Mais quand Rodolphe fermait les yeux pour dormir, Pélagie ne le voyait pas. Alors, elle s'asseyait sur lui. Quand Rodolphe se couchait sur le tapis, les yeux ouverts, Pélagie le voyait. Du moins, elle voyait ses yeux. Mais quand Rodolphe fermait les yeux pour dormir, Pélagie ne le voyait pas. Alors, elle trébuchait sur lui. Un jour, après une chute spectaculaire, Pélagie décida de faire quelque chose. Elle prit sa baguette magique, la leva sur Rodolphe et, abracadabra, Rodolphe n'était plus un chat noir. Il était d'un vert éclatant. Maintenant, quand Rodolphe dormait sur une chaise, Pélagie le voyait. Quand Rodolphe dormait sur le tapis, Pélagie le voyait. Et elle le voyait aussi quand il dormait sur le lit. Mais Rodolphe n'avait pas le droit de dormir sur le lit. Alors, Pélagie le mettait dehors. Dehors, sur l'herbe. Quand Rodolphe s'asseyait sur l'herbe, Pélagie ne le voyait pas, même si ses yeux étaient grands ouverts. Un jour, Pélagie sortit de la maison en courant. Elle trébucha sur Rodolphe, fit 3 sauts périlleux et atterrit dans un buisson de roses. Cette fois, Pélagie était furieuse. Elle prit sa baguette magique, la brandit 5 fois et abracadabra. Rodolphe se retrouva avec une tête rouge, un corps jaune, une queue rose, des moustaches bleues et des pattes mauves. Mais ses yeux étaient toujours verts. Maintenant, Pélagie voyait Rodolphe quand il était assis sur une chaise, quand il était couché sur le tapis, quand il rampait dans l'herbe. Et même quand il décida de grimper au sommet de l'arbre le plus haut. Pourquoi Rodolphe était-il monté au sommet de l'arbre le plus haut? Pour se cacher. Il était ridicule et il le savait. Même les oiseaux se moquaient de lui. Rodolphe était malheureux. Il resta en haut de l'arbre tout le jour et toute la nuit. Le matin suivant, Rodolphe était toujours en haut de l'arbre. Pélagie était soucieuse. Elle aimait bien Rodolphe et ne supportait pas de le voir malheureux. Alors, Pélagie eut une idée. Elle brandit sa baguette magique et abracadabra. Rodolphe redevint un chat noir. Il descendit de l'arbre en ronronnant. Puis, Pélagie brandit sa baguette encore et encore et encore. Maintenant, la maison est jaune avec un toit rouge et une porte rouge. Les chaises sont blanches avec des coussins rouges et blancs. Le tapis est vert avec des fleurs roses. Le lit est bleu avec des draps blancs et des couvertures roses. La baignoire est d'un blanc éblouissant. Et maintenant, Pélagie voit Rodolphe où qu'il soit. Au revoir.